Oh oh oh! Salut les amis, c'est le Père Noël. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, en fait, c'était moi. Ouais, je sais, je fais cette blague tous les ans. Et j'espère qu'à chaque fois qu'elle va marcher, mais non. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et puis si c'est une période compliquée pour vous, vraiment force à vous. Et de notre côté, nous, nous allons faire aujourd'hui un thread Marvel. Une histoire de Marvel. Et aujourd'hui on sera sur le thème de Noël. Et c'est le début de ce concept, il y en aura plein. Et je crois que je vais être heureux de vous annoncer que le prochain ce sera Avengers The Kong Dynasty, que je vais raconter l'histoire dans les comics. On fera aussi Secret Invasion avant la série. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire où Fatalis, le docteur Fatalis, ou Docteur Doom si vous préférez, est devenu le Père Noël le temps d'une soirée. Je sais, c'est insane, c'est pour ça que j'avais absolument envie de vous raconter cette histoire qui n'a jamais été racontée sur YouTube, donc je suis le premier quoi. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire qui est parue en janvier 1991 dans le comics What the... Enfin, vous voyez le titre. Et en gros, ça se passe sur une terre alternative, la Terre 9047. Donc c'est parti, perdons pas plus de temps pour ce premier thread Marvel sur ma chaîne YouTube. Notre histoire commence lors d'une nuit sombre et glaciale. Il s'agit en fait de la veille de Noël, et alors que tout le monde dort paisiblement au sein de son fameux royaume de Latveri, le docteur Fatalis est bel et bien toujours réveillé, confortablement installé dans son fauteuil au coin du feu. Seul. Oui, parce qu'en fait il a pas trop d'amis. Pas du tout en fait. A la différence du reste de l'année, ce soir, il est calme, apaisé, buvant son thé au citron vert bien chaud, tout en lisant comme à son habitude en cette veille de Noël, Les Contes de Charles Dickens. Mais tandis qu'il commence petit à petit à s'assoupir, un énorme bruit retentit. Un bruit très désagréable de sirène. Là, Docteur Doom, il est enragé, il a reconnu son alarme anti-intrusion, et il a une haine profonde envers l'inconnu qui a non seulement tenté de pénétrer dans sa demeure, mais a également réveillé dans un sommeil rare, le grand Victor Von Fatalis. Je peux vous dire que ce genre de choses, ça le fait absolument pas rire, hein, vraiment, et quand il est vénère, il fait très très mal par moments. Donc, furieux, il traverse en vitesse son manoir pour atteindre le toit, tout en réfléchissant à la stratégie qu'il va utiliser pour humilier son adversaire. Mais à sa grande surprise, il tombe nez à nez avec un vieux barbu vêtu de rouge, le Père Noël en personne, pris dans le piège réservé aux intrus. Décontenancé, oui j'utilise ce mot et je l'assume, Fatalis lui demande ce qu'il fait ici, et le vieillard répond qu'il ne faisait que passer dans le cadre de sa tournée comme chaque 24 décembre, et implore alors Fatalis de le libérer du piège en faisant pour une fois une bonne action. Si vous ne l'aviez pas déjà compris, Fatalis est un méchant, une ordure, un fripon, un nolibrius. En fait j'adore les deux derniers mots donc je voulais absolument les placer dans cette vidéo mais bon... Mais avant même que ce dernier réponde à la requête du vieux, ce dernier, gravement blessé, s'évanouit de douleur sous les yeux du monarque latvérien. Et voilà comment Fatalis a tué le Père Noël. Non, je rigole. Oh, je suis trop drôle. Quelques heures plus tard, alors que Von Fatalis l'a installé dans un des lits les plus confortables de son château, le Père Noël retrouve ses esprits. Mais là, bah il y a un gros problème. Il sait très bien qu'il est trop faible pour poursuivre sa tournée ce soir-là. Par conséquent, il supplie Victor d'assurer la distribution des cadeaux et ajoute que le monde entier compte sur lui. Vous vous dites que c'est un gars qui a tellement le melon qu'il va accepter. Mais non. En fait, Fatalis réfléchit à la proposition, réfléchit encore, réfléchit toujours, et après de longues minutes de réflexion, devinez ce qu'il a dit. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Non, je vous jure, il a pas de cœur ce gars-là. Même le soir de Noël, c'est un truc de dingue. Bon, le Père Noël répond à cela que s'il assure cette tâche, il exaucera son vœu le plus cher, quel qu'il soit. Et là, vous pensez qu'il va accepter? Oui. Et là, il y avait du coup pas de blague. Et c'est un peu gênant. De retour sur le toit, Fatalis se prépare à partir et effraie les reines avec des phrases de vieux grincheux, du genre « Créature innommable, mais laissez-moi tranquille. » Je suis peut-être allé un peu trop loin là. Bref, il se change en déguisement de Père Noël. Bon, alors bon, il a un peu 3 ans parce que mec, c'est pas parce que tu remplaces le Père Noël que tu dois prendre son outfit. Du coup, tu vas à Intermarché, je sais pas, le gars je l'imagine dans les rayons, en pleine nuit en plus. Mais c'est pas fini, croyez-moi, puisqu'ensuite, seul sur le toit, eh ben, il se vante tout fort d'être devenu l'incroyable Père Fatalis. En référence au Père Noël, t'as capté? Ce personnage hyper charismatique devient très vite hyper cringe. Et ça, les reines de Papa Noël, ils l'ont bien compris, hein.
puisqu'il se fout littéralement de sa gueule. Il y a zéro van. Mais lui, bah, il se laisse pas faire et il essaye de se faire respecter par ses reines insupportables. Mais malheureusement, je vous spoil, il y arrivera jamais. Et depuis son lit, le Père Noël qui assiste à cet énorme clash entre ses reines cheloues et Fatalis qui, de son côté, est ultra relou, se dit que bah il a vraiment pas eu le choix et que bah, s'il avait pu faire autrement, il l'aurait fait. Bref, Père Fatalis, comme il se fait appeler, commence sa tournée et donc en toute logique passe par de nombreux pays et ça bah durant toute la soirée tout se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Bon déjà ce gros radin, déjà on rappelle qu'il est monarque hein, donc il a de la thunasse, il se demande si le Père Noël va lui rembourser le trajet parce que oui en fait il a pas pris le traîneau du Père Noël mais bien une de ses inventions bizarres, allez savoir pourquoi, en plus il a besoin des rennes donc je comprends pas. Et en fait, bah, il distribue, et au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, il arrive sur le toit du manoir des Avengers. Petite recontextualisation, Fatalis, bah, c'est un des pires ennemis des Avengers. Donc là, il se dit qu'il faut se méfier, et qu'il vaut mieux qu'il soit prudent pour pas se faire choper, tout simplement. Et notamment par le système de sécurité. Mais Rudolph le Rénonnet Rouge le victimise encore, en lui disant que de toute façon, bah, il devait avoir désactivé la sécurité en s'attendant à voir débarquer le Père Noël. Du coup, Fatalis descend par la cheminée pour déposer les cadeaux réservés aux Avengers. Mais cet idiot détruit toute la cheminée. C'est bon. Par miracle, il arrive en bas et il tombe directement devant le sapin des Avengers. Et alors là, il est impressionné par sa beauté. Bon, faut remettre dans le contexte. Parce que en fait, le sapin des Avengers, il ressemble à ça. Et le sapin de Fatalis, il ressemble à ça. C'est dégueulasse. Mais vous le savez, Fatalis n'étant pas doué, il se fait remarquer instantanément. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a un rapport avec le fait qu'il ait littéralement détruit la cheminée. Mais en fait, les Avengers qui l'ont surpris, c'est-à-dire Captain America et Quasar, attendent qu'il sorte du manoir des Avengers et se lancent discrètement à sa poursuite. Ils sont même rejoints par Speedball. De son côté, Fatalis ne pense pas être suivi et se rend maintenant au Baxter Building des 4 Fantastiques. Autant dire que là, la situation elle est encore plus chaude pour Fatalis, puisque c'est vraiment l'ennemi de toujours des 4 Fantastiques, c'est le pire du pire du pire du pire ennemi des 4 Fantastiques. Mais vous vous en doutez, il se fait une nouvelle fois cramer. Bon là il essaye un peu de se justifier en disant « Mais je voulais pas... » Mais les 4 Fantastiques bah, le croient pas et c'est le début d'un combat. Pour commencer, la chose le frappe si fort qu'il se retrouve propulsé en dehors de l'immeuble et par ailleurs en passant par le toit. Et là, c'est la catastrophada, puisque sur le toit se trouvaient les quelques Avengers à sa recherche. Et du coup, il se retrouve seul contre tout ce monde alors qu'il n'avait pour une fois rien fait de mal dans sa vie. Et ça, bah, ça le met hors de lui et il décide d'abandonner sa tournée et de mettre une leçon à ses adversaires. Une leçon qui s'avéra finalement ne pas du tout être une leçon, puisqu'au bout de quelques minutes, bah, il se fait défoncer. En même temps, tout seul contre 7 en vieux costume de Père Noël, ça doit pas être facile. Mais tout à coup, la bataille s'interrompt car tout le monde entend une voix. C'est une petite fille qui leur demande pourquoi ils se battent comme ça le soir de Noël. En effet, la confrontation avait lieu juste devant un hôpital pour enfants. Et oui, ils sont un petit peu teubés tout ce monde-là, puisque ça les a littéralement tous réveillés. Tous les enfants sont réveillés. Et du coup, Fatalis, reprenant son calme, répond que les héros les dessinent simplement à finir sa distribution de jouets. Alors oui, c'est totalement faux, et je pensais bah, qu'elle le croirait pas, qu'elle serait pas aussi bête. Mais non seulement elle l'a cru, mais en plus elle croit vraiment que c'est le vrai Père Noël. Ah oui, et important à préciser, la petite fille, elle a un petit ourson avec elle, qu'elle serre très fort contre elle. Mais bon, pour l'instant, vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a un rapport ? Fatalis la prend dans ses bras, et elle lui dit même dans l'oreille, « Je t'aime, Papa Noël. » C'est si beau. Heureusement que notre cher Doom n'est pas un psychopathe. Les parents qui m'écoutent, surveillez vos enfants, d'accord ? Un gars en armure déguisé en Père Noël, c'est pas le vrai Père Noël, d'accord ? Bref, pour la première fois depuis longtemps, Fatalis est ému et ressent des émotions. Quelques jours plus tard, le Père Noël est remis et remercie Fatalis d'avoir fait le job, mais ce dernier est de retour sans aucune âme et lui répond que s'il recroise le Père Noël, il le prendra comme son ennemi. Papa Noël répond que bah bien sûr c'est pas un super vilain, hein, et il demande à Fatalis, bah du coup, quel est son rêve le plus cher, quel est son vœu le plus cher pour qu'il l'exauce, et Fatalis répond rien du tout. C'est bizarre, non ? Le Père Noël est bah, lui aussi étonné, il salue Fatalis, et repart comme il était arrivé. Et en secret, Doom ressort tout heureux l'ourson que la fillette lui avait offert. Voilà donc ce qui était son souhait le plus cher, retrouver son âme d'enfant. Bref, les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était le thread numéro 1 de cette chaîne. Ça, c'est incroyable, mais comment on a glow up cette année ? Bien sûr, on est près de 900, ça va être incroyable.
Et en 2023, il n'y a que des bangers qui vont arriver côté Marvel, donc on va bien sûr en parler. Les shorts qui aujourd'hui parlent de toute l'actualité Marvel chaque jour. Donc n'hésitez pas comme d'habitude bien sûr à clocher, s'abonner, liker, etc. si vous voulez. Et puis moi je vous souhaite un très joyeux Noël et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.